Salut à tous, vous allez bien, la forme? Bon, impeccable. Écoutez, moi aussi, j'enchaîne aujourd'hui. J'enchaîne un petit peu de die parce que j'en ai qui sortent. Donc là, on va se faire une petite revue sur des concentrés qui viennent d'arriver. Alors, qui sont les Pussycat Vap? Voilà, petite pièce de concentré. Alors, déjà, qui c'est? Pussycat Vap, en fait, c'est les filles Marine et Lucie du shop Liberty Vap qui ont voulu lancer leur petite gamme. Donc, j'ai un logo sur un. Voilà, j'ai un logo un peu plus correct là-dessus. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, c'est dû à un petit surnom qu'on leur avait donné. Voilà. Donc, elles se sont lancées dans leur petite création. Là-dessus, concentré à 5,90 les 10 ml, donc au shop Liberty Vap. Moi, je les ai dosés en max VG à 20%, comme d'hab, comme à mon habitude. Donc voilà, écoutez, c'est parti, on va commencer avec le premier, donc qui est l'Eden. Voilà la fiole. Alors, ils ont un petit peu plus de 3 semaines hein, de ce type. L'Eden, alors qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du synopsis? Donc un pop-corn sucré, caramélisé à souhait et une pointe de vanille. Un pop-corn. C'est parti, donc j'ai toujours ça dans mon RH Mini, double coil, je suis à 0,29 sur du 0,40 à 33 watts. C'est parti, on va tester ce petit pop-corn. Alors on a un popcorn caramélisé, oui. Popcorn plutôt sympa, plutôt doux. Pas trop marqué, qui fait pas boîte de maïs à peine ouverte, si vous voulez, en termes de saveur. On a un bon popcorn caramélisé. Je sens la touche de vanille. Et ce qui me surprend un peu là-dessus, c'est que j'ai une petite sensation. J'ai un côté crémeux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, il y a un côté crémeux, un côté beurré, crème au beurre, je sais pas, enfin un petit côté comme ça, qui vient arrondir, mais c'est super bon en fait. En fait, c'est un pop-corn, il n'y a rien spécialement qui va le rendre crémeux, et pourtant, enfin, le mélange des arômes ressort ça, donc c'est plutôt très bon. Alors ça n'a rien à voir avec tous les pop-corns que j'ai pu vaper, c'est-à-dire qu'on trouve quand même cette base, pop-corn soufflé, caramélisé, quoi, vraiment sympa. Mais surtout, il y a un côté beurré, crémeux qui vient derrière, qui est très doux, très onctueux, je trouve ça assez surprenant et c'est très bon en fait. Ouais, ça laisse cette sensation en bouche, quoi. En fait, au début, on a le popcorn caramel qui arrive, qui est présent, il n'y a pas de problème. Et puis à l'expiration, il y a une douceur, un côté crémeux qui arrive, qui est super bon, qui est super agréable. Ouais, c'est franchement bon, en fait. En fait, ce petit côté crémeux que je lui trouve vient rajouter vraiment une gourmandise à ce popcorn. Donc en fait, il est moins agressif que sur les autres popcorns que j'ai pu goûter. Il est doux, il est onctueux, il est sympa. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Très très bon popcorn. Franchement, voilà ce que je peux vous dire sur l'Eden. Un popcorn assez particulier, assez caramélisé, avec une petite note de crémeux derrière. C'est plutôt sympa, je trouve que ça rend bien. Moi j'aime bien en tout cas. Personnellement, je le trouve plutôt réussi et bien gourmand, quoi. Voilà, je recotonne, je reviens tout. Allez, donc on enchaîne avec le second.
Alors, le second, c'est celui-ci. Le Kumaï. Voilà. Alors, petit synopsis, comme d'hab. On nous dit un grand bol de céréales au riz soufflé, une touche de beurre de cacahuète pour relever le tout à la manière british. Donc, en gros, céréales, riz soufflé, beurre de cacahuète. C'est parti! Alors celui-là est sympa. Très bon celui-là. Riz soufflé, un céréale au riz soufflé, c'est exactement ça, pas de problème. On a un beurre de cacahuète qui n'est pas ultra marqué en fait. Il y en a une pointe, on le sent bien, mais il n'est pas marqué. Du coup, ce beurre de cacahuète en fait est plutôt appétissant, il donne cette envie d'y retourner. Donc il vient pas écraser les céréales en fait. En fin de puff, j'ai du caramel. J'ai un côté sucré, un côté caramélisé qui arrive. Alors c'est un concentré où il y a pas forcément complexe dans le sens où il n'y a pas 3000 arômes, mais entre guillemets, c'est pas le plus important. Ce qui est important, en fait, c'est les saveurs qui arrivent derrière. Et je le trouve celui-ci vraiment sympa. C'est la deuxième fiole que je me fais, en fait, donc je le passe assez régulièrement. On a vraiment ce côté céréales, riz soufflé. Je connais un petit peu les arômes riz soufflé, donc on le sent bien. Il est doux, il n'est pas trop marqué aussi, mais il est dominant dans la composition du concentré. Derrière, on a tout de suite ce beurre de cacahuète qui vient lui donner une personnalité, qui vient le marquer. Mais qui n'est pas écrasant parce que le beurre de cacahuète en dail, il peut vite devenir écœurant en fait. Donc c'est plutôt pas mal parce que là je le trouve bien subtilement dosé en fait. Ce beurre de cacahuète, il est bien discret quoi. C'est un céréal avec un petit peu de beurre de cacahuète, son filet de caramel. Il est très bon, très goûtu et pour moi je le trouve subtilement dosé. Un céréal, ça peut marquer très rapidement. Le beurre de cacahuète, on va dire aussi, ça peut marquer très rapidement un jus, une recette. Et là, en fait, les deux sont bien subtils, les deux sont bien amenés, ils sont doux. Même s'il y a une dominante céréale, puisque c'est la base du concentré, je le trouve très très bon. J'aime beaucoup, moi, celui-là. Très bien, franchement, juste. Juste bien dosé, juste ce qu'il faut et j'apprécie vraiment. Un bon céréal, tout en nuances, doux, qui se laisse vaper tout seul. Très agréable. Franchement, l'Eden de Kumaï, pardon, je l'apprécie vraiment parce qu'il est subtilement dosé et qu'il utilise des arômes gourmands. J'aime bien, j'aime beaucoup. Franchement, celui-ci est très très bon. Voilà ce que je peux vous dire donc pour le kumaï, donc céréales, beurre de cacahuète, caramel, très doux, très bon, qui passe super bien, quoi. Voilà. Je recotonne, hein, je prends le troisième, je reviens vers vous. Allez, on enchaîne avec le dernier. Le dernier, c'est le sangha. Le sangha, alors, le synopsis du sangha, je vais vous dire ça tout de suite. On nous dit un délicieux donut, confiture de fraises accompagné d'une légère pointe de framboise. Celui-là, je pète le suspense d'entrée de jeu, ça a été un sacré coup de cœur. Toujours dans le Dripper, c'est parti. Alors, celui-là déchire. Alors, celui-là, coup de cœur, pourquoi? Parce que la confiture de fraises,
C'est juste n'importe quoi. C'est super bon. Avec la pointe d'acidité que va donner la framboise, ça vous prend tout le palais là. C'est vraiment, mais juste excellent. Je l'ai encore en bouche. C'est super, super bon. Et à mon ressenti, le côté beignet, un peu bugne, est moins présent que dans les autres donuts que j'ai pu goûter. En fait, il s'efface au profit de cette confiture fraise avec sa note de framboise, qui sont, mais alors vraiment, juste excellentes, quoi. La confiture, elle est vraiment parfaite, quoi. Franchement, c'est une tuerie. Celui-là, je le vape. Bref, je le passe. Madame aime beaucoup aussi, donc on est deux à le passer. Très, très, très bon. Franchement, délicieux celui-là. J'aime bien cette fraise, cette confiture de fraise bien sucrée, bien bonne, bien généreuse. Avec derrière, on sent la touche d'acidité, d'acidulé, enfin plus acidité de la framboise qui vient donner un petit peu de piment, un petit peu de personnalité. C'est super bon. Et en fin de puff, on a le côté donuts qui arrive, qui reste discret, donc qui va pas prendre le dessus. En fait, on a le côté pâte pâtissier, en fait, qui reste derrière cette confiture qui est juste excellente. Pour moi, c'est vraiment parfait, quoi. Franchement. C'est une tuerie, franchement, cette confiture de fraise, pointe de framboise, elle déchire tout, quoi. C'est un des meilleurs arômes concentrés, en fait, avec une fraise dedans que j'ai pu goûter. C'est juste excellent, quoi. C'est super bon. Super bon. En plus, le donut est là, on le sent, mais il n'écrase pas tout, il n'est pas trop gras, donc ça donne la pleine mesure à cette confiture. Rien à dire, il est vraiment très très bon, franchement très très bon. Moi, je me régale, franchement. Celui-là, j'aime bien le vaper l'après-midi, il passe très très bien, c'est une super gourmandise, il est très très bon. Voilà ce que je peux vous dire donc sur les concentrés Pussycat Vap. Donc merci à vous les filles, je vous fais un bisou. Je sais que vous m'aviez pas spécialement demandé de revue, que vous vouliez juste mon avis. Du coup, je fais d'une pierre deux coups, parce que quand je trouve un truc sympa, ben, je préfère en faire un retour pour les personnes qui me suivent, parce qu'elles peuvent l'apprécier aussi. Mon avis, vous l'avez quoi. Franchement, c'est réussi, c'est très bon. Les trois sont, pour moi, en fait, c'est des arômes et des concentrés qui peuvent ressembler à d'autres sur le papier. Et en fait, quand on les vape, c'est autre chose. Je pense notamment à ce popcorn qui a un côté crémeux qui est juste surprenant et qui est juste excellent. Le kumaï avec sa note de beurre de cacahuète par Tuileries Soufflées, qui est tellement bien dosé que du coup, bah, on a tout le temps envie de retourner pour retrouver ce beurre de cacahuète autour des céréales. Et le sangha, qui pour moi est vraiment une boucherie où la confiture est vraiment parfaite. On sent bien la fraise, on sent bien la petite note de framboise, ce qui doit pas être franchement évident à faire. Donc je trouve votre gamme vraiment excellente. Très bon, franchement, en plus, c'est le premier jet, quoi, c'est les trois premiers. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à les vaper et j'en prends encore. Donc voilà, franchement, plutôt réussi, une belle gamme. Donc si vous voulez tester, allez-y. C'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Franchement, très, très bon. On remet un petit coup de fraise, là. Voilà, donc sur le retour que je peux vous faire sur la gamme des Pussycat Vap. Bonjour, merci, parce que vous êtes toujours autant à me suivre et à me commenter, à me laisser des petits messages, etc. C'est super agréable. On partage pas mal de choses avec les abos, c'est l'avantage de ne pas en avoir 40 000, c'est plutôt cool. Je vous remercie donc de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao!